Donc, écoutez, je suis très content d'être là et content aussi de partager avec vous un thème qui m'est important. Donc, le thème d'aujourd'hui qui porte sur le mot radical. Et comme disait Lorena, en effet, le mot radical est associé à toutes sortes de choses. Moi, j'ai deux questions pour vous. La première question, si je dis radical, à qui pensez-vous? Je veux pas savoir, je veux pas de réponse. Et quand je dis radical ou radicalisation, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À quoi vous pensez exactement? Pendant des années, on a fait des études sur ces questions-là, non pas parce qu'on avait le goût de travailler sur la radicalisation, parce que l'actualité mondiale s'est imposée par une forme de ce qu'on a appelé de violence à caractère religieuse, mais aussi de violence à caractère idéologique. Et le mot radical est sorti. Et ça fait longtemps, c'est pas hier matin que c'est sorti. Et il a été associé, à tort ou à raison, c'est pas là la question. Il a été associé à des groupes religieux, par exemple, il y a depuis quelques années, comme quoi la radicalisation est une radicalisation violente religieuse. Et malencontreusement, ce mot-là est resté collé. Donc, il est resté collé et il a créé des stigmatisations importantes quand même envers certains groupes, certaines communautés qui étaient tous pénalisés, entre guillemets, par des actions ou des activités de certaines personnes qui étaient dans cette mouvance-là violente. Donc, radical ou radicalisation, et moi, depuis quelques années, j'essaie d'expliquer, j'essaie de dire, je ne suis pas d'accord avec ce thème-là, pardon, et donc, je me dissocie de mot radicalisation lorsqu'il explique la forme négative de ce mouvement ou d'une action d'émancipation ou autre. Alors, il y a plusieurs formes. Je vais explorer avec vous la première. Donc, la première forme qui est la forme négative de la radicalisation ou le radical. Et dans cette forme-là, c'est de dire que cette violence, ou le mot radical, est associé à une violence extrême. Donc, qui est liée à la religion, qui est reliée à l'extrême droite, qui est reliée parfois à l'aliénation. Toutefois, il faut le dire aussi que dans l'aliénation, ce n'est pas vraiment une question de radicalisation parce qu'il y a un trouble, il y a un problème. Et donc, c'est dans ce sens-là, on ne peut pas l'associer directement au problème de santé mentale, par exemple. Donc, cette radicalisation ou la radicale, lorsqu'on est radical, on le fait porter un stigma. C'est ça aussi ce qui est particulier dans la forme négative de la radicalisation et c'est malencontreux de continuer dans ce sens-là. Donc, on peut porter des jugements hâtifs aussi sur une communauté particulière à cause de sa religion, à cause d'une orientation sexuelle aussi, parfois dans certains pays, et tout ça, là, donc ça fait partie de cette forme négative, si on peut dire, lorsqu'on parle de radical. Mais qu'est-ce que c'est une radicalisation violente? On utilise ce terme-là, c'est lorsqu'on veut appréhender la violence par un acteur qui est souvent non étatique, donc c'est vraiment, c'est pas l'État, parce que lorsqu'on parle de la violence envers un État, souvent on est dans le terrorisme, d'accord? Donc, c'est plus lorsqu'on est dans un objectif qui n'est pas nécessairement envers un État, puis on veut atteindre un objectif politique, économique ou religieux ou social par l'entremise de la peur, la coercition ou l'intimidation. Donc, c'est dans ce sens-là où la radicalisation violente s'installe. Je suis content de vous entendre aujourd'hui et de parler de toutes sortes de radical dans le sens créatif de terme, parce que c'est ça aussi, vous êtes dans la créativité, ce qui est très intéressant, et c'est vers ça que je vais aller dans ma communication, afin de partager avec vous la forme positive de la radicalisation.
Donc, c'est de celle-là. On a tous peut-être à l'intérieur de nous-mêmes un radical endormi, un radical inavoué, caché, intimiste ou introverti, donc qui ne s'extériorise pas. On a juste à penser, par exemple, à des figures importantes comme Gandhi. On peut penser à Martin Luther King. On peut penser à d'autres figures de proue comme ça peut être Rosa Parks qui a lutté contre la ségrégation aux États-Unis. On peut penser à beaucoup de personnes qui sont dans ce sens-là importantes et qui ont apporté du bon dans les luttes. Donc, le radical est celui qui a des croyances ancrées dans des idées politiques, des idées créatives, des postures critiques. On parle de critique du monde, de critique de la société aussi. On parle de critique de nos modes de vie. C'est celui qui tient une posture de transcendance au-delà de notre rythme quotidien. Vous savez qu'on rentre dans une posture, des fois, le quotidien nous impose un certain rythme. Alors, la personne radicale veut sortir de ce rythme-là. Et donc, elle nous amène à voir autrement. Le radical nous aide, le radical en nous, ou le radical qui est à côté de nous ou devant nous, sur l'écran, il peut nous aider à voir autrement ou à voir ailleurs. Donc ça, c'est très important aussi de le mentionner. Donc, comme j'ai dit tantôt, on a juste à penser lorsqu'on dit radical à des personnes comme, moi je pense souvent à Freud ou à Karl Marx parce que je pense que leurs idéologies, leur radicalité, si on peut dire, a influencé d'une façon extrême l'humanité. Je pense aussi à des personnes à figure de proue comme Rosa Parks, tantôt je l'ai nommée parce qu'elle a changé quand même le parcours des millions d'Afro-Américains et d'Américains tout aussi aux États-Unis. Donc, ce sont des personnes qu'on leur doit respect, en effet, mais aussi qu'on leur doit le sacrifice de leur vie au quotidien parce qu'elles ont osé de sortir d'un quotidien ordinaire, comme on dit. Donc, dans la forme positive, la personne radicale est une personne qui défie les frontières. C'est une personne qui sort du statu quo. C'est une personne qui voit, qui analyse. Elle nous montre un chemin dur. Parfois, il est long, mais il est bon aussi. Ce sont des personnes qui nous mobilisent, qui nous disent « voici vers ça il faut aller ». Ce sont des personnes qui ont des charismes incroyables. Donc, c'est ça aussi ce qui est particulier chez des personnes qui ont le goût ou la possibilité de nous mobiliser, de nous dire « c'est par là il faut aller ». Ce sont des personnes qui sont charismatiques d'une façon incroyable. Ça, c'est important de le dire. Ce sont des personnes aussi qui tiennent mordicus à leurs idées. Ça devient une obsession, leurs idées, leur façon de voir le monde et de le partager avec nous. Ça devient obsessif pour elles. Ce n'est pas des personnes qui rentrent dans le politically correct, comme on dit en bon québécois ici, on arrondit les coins pour faire accepter nos idées. Ce n'est pas le cas. Ce sont des personnes qui défient les frontières, évidemment, et qui nous sortent des cadres organisés, qui nous aident à sortir d'un système qui est cadré, qui est carré, qui est là pour nous dire « voici comment tu dois opérer dans une société, voici comment tu dois faire pour que la société fonctionne, et souvent pour que la société fonctionne selon le goût ou les aléas du pouvoir. » C'est souvent le cas. Alors, le radical nous aide à nous libérer des jougs de la société, des chaînes de la société qui nous attachent parfois ou souvent même. Donc, moi, je poserai la question,
Est-ce que tout le monde peut être radical? Ça, c'est une bonne question. On peut se la poser. Est-ce que je peux être radical? Est-ce que je vous regarde? Est-ce que chacun d'entre nous peut être radical? La réponse, oui et non. Ça dépend. Alors, nous avons tous le potentiel de s'engager activement dans une cause. Ça, c'est clair. Je vous regarde, je dis, si vous êtes là, c'est parce qu'il y a une cause. Vous vous tenez à une cause quelque part. Donc, vous vous attachez à cette cause-là. Et cette cause-là est très importante à vos yeux. Elle est très importante pour vous. Et c'est la raison pour laquelle vous désirez aller vers cette cause-là. Le radical aussi, c'est quelqu'un qui nous aide à se mobiliser. Une fois que je suis en mesure ou je suis dans cette mouvance ou dans cette idée de croyance à cette cause-là, je peux pas la faire tout seul. J'ai besoin de mobiliser du monde. Donc, le radical travaille à mobiliser certaines personnes et il travaille à mobiliser autour de... Pardon. Donc, et ça, c'est très important pour le radical d'agir. Il ne peut pas agir en solo. Il faut qu'il agisse avec sa communauté, avec son groupe, avec son clan, sa tribu. C'est ça ce qu'il fait, le radical. Et c'est important parce qu'il nourrit sa communauté, mais sa communauté aussi le nourrit. Et ça, c'est capital pour cette figure de proue, si on peut dire. Lorsque je reviens à ce que j'ai dit tantôt, à ce que tout le monde peut être radical, oui et non. Oui, dans le sens, il faut s'engager activement dans une cause, il faut la trouver, sa cause. Quelle est notre cause? Elle peut être de type social, elle peut être de type idéologique, politique, elle peut être de... Pardon, de différents types, cette cause-là, et il faut la garder dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un profil? Oui, il y a un profil, et dans ce profil-là, il y a des personnes qui sont des communicateurs, des personnes avec un charisme, un leadership qui mobilise, et ceci implique beaucoup de choses, implique de vaincre sa peur pour effectuer des sacrifices, pour aller vers des sacrifices aussi. C'est ça, la personne radicale, c'est quelqu'un qui tient à son idée et qui tient à son idée pour aller loin, très loin dans ce sujet-là, quitte à sacrifier, à abandonner. Parfois, on a connu des grandes figures historiques qui ont abandonné parfois leur famille, parfois leurs anciennes vies, parfois leurs parents et tout ça. Et c'est malencontreux, on ne connaît pas très bien ce qui s'est passé, mais c'est des personnes qui peuvent vivre le goût de transcender cette peur-là, de transcender des idéologies du quotidien qui les emprisonnent aussi. C'est de dire, je vais aller au-delà, je veux arrêter d'avoir peur. Je vais arrêter d'avoir peur. Et arrêter d'avoir peur, des fois, ça s'appelle sacrifier aussi. C'est dans ce sens-là, on rentre dans cette zone de ce qu'on appelle radical. Mais là encore, je reviens encore là-dessus, on n'est pas dans une radicalisation violente. Le but n'est pas de causer une violence. Au contraire, c'est de changer la société avec nos communications, notre leadership, avec nos idées qui influencent et comment les transmettre aussi, ces idées-là. Comment on peut mobiliser autour de nous. Alors, ça implique beaucoup de choses, comme j'ai dit. Le radical positif se sacrifie pour sa cause, mais sans violence, sans vengeance. Il lutte pour un monde meilleur en dehors de la destruction. Il cherche à défricher des nouvelles avenues. Et il veut contrôler sa peur, évidemment. Il se sent invincible parfois, par moments aussi. Il se sacrifie pour sa cause.
Ils ne s'intéressent pas nécessairement au confort. Il va au-delà de son confort, donc il est capable de vivre dans un certain inconfort, de vivre, de supporter les préjugés des autres aussi. Et c'est quelqu'un aussi qui est capable de s'ouvrir aux autres. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit au début. Et là, j'ai retenu une phrase dans le générique, c'est de dire, on accepte tout le monde dans votre communauté. Tout le monde est accepté. Tout le monde, c'est tout le monde. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Tout le monde, ça veut dire tout le monde. Ça veut dire qu'on n'a pas de jugement. On n'a pas de préjugés envers qui que ce soit. Et c'est ça qui cause des difficultés. C'est souvent nos préjugés, nos stéréotypes. Et j'ai dit à Lorena, une métaphore à ça, c'est il faut tenir en laisse nos préjugés et nos stéréotypes le plus souvent possible pour voir autrement, pour voir ailleurs. Et cette métaphore, je la trouve très intéressante à plusieurs égards. Bonjour tout le monde. Donc, dans mon breakout room, j'étais en train de discuter avec Mylène. Et puis, il y a deux questions qu'on se posait. La première question, c'est, en fait, est-ce que être radical, c'est être radical personnellement ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit être radical publiquement? Et puis ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question qu'on se posait, c'était qu'en fait, être radical, est-ce qu'on pouvait choisir d'être radical dans juste une sphère de sa vie? Ou est-ce qu'être radical, quelque part, ça voulait dire être radical dans tout? Comme par exemple, est-ce qu'on peut vraiment être radical dans juste une cause politique sans être radical après ça au niveau économique, au niveau consommariste, au niveau immigration, au niveau famille, amour, environnement? Ouais, en fait, c'est ça. C'est une très bonne question. Oui, très intéressante. Écoutez, moi, je partage avec vous mon idée. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours la bonne ou la meilleure. Vous pouvez aussi avoir vos idées, qu'on peut les partager aussi. En fait, oui, il y a un profil. Il y a quand même un profil. C'est ce que beaucoup de recherches nous disent, de personnes qui sont radicales, dans le bon terme. En fait, le profil, ce sont des personnes qui veulent avoir le contrôle sur leur destinée. Donc, le contrôle sur leurs idées, sur leur parcours, sur leur trajectoire de vie. D'accord? Et ceci est influencé par le goût de contrôler aussi leur anxiété, leur peur, leur anxiété. Et c'est dans ce sens-là où elles se remettent à leur propre pouvoir, à leur empowerment, d'accord? À leur pouvoir d'agir. C'est dans ce sens-là que ces personnes-là sont en mesure de dire, on va se mobiliser, j'ai compris comment ça fonctionne, j'ai compris ce que je veux, je vois ce que je veux, je vais me mobiliser, mais aussi je vais mobiliser autour de moi. Ce qui m'envoie à la deuxième question que tu poses, Emmanuel, c'est de dire, est-ce que c'est juste individuel? En fait, on a vu des cas individuels, mais le but du radical, c'est d'améliorer le sort de sa communauté. C'est d'améliorer le sort de ses pairs, de ses collègues. Que ce soit, si je suis une femme, c'est le sort des femmes. Si je suis un syndicaliste en construction, c'est le sort de mes pairs. Et ainsi de suite, vois-tu? Donc, c'est le but de l'action radicale. C'est de changer le monde, c'est de changer la société, c'est de changer ma communauté, c'est de changer le sort de ma communauté. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Habib, pour la conférence. Moi, la question que je me pose, le respect dans tout ça, j'ai beaucoup de difficultés actuellement. Bon, on voit que c'est souvent très irrespectueux, hein, ce qu'on peut voir dans les médias sociaux. Donc, se cantonner dans une idée, oui, je suis d'accord, mais comment est-ce qu'on respecte les autres là-dedans? Fait que, il me semble qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont radicaux qui deviennent vraiment des tortionnaires, là, parce que, je veux dire, leur idéologie est la seule qui peut subsister. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on dit tout ça? Parce que, il me semble que tout ça devrait pouvoir se faire dans le respect, tout de même. Oui. Tu poses une question intéressante, Alain, c'est le niveau de radicalisation. Donc, parce qu'il y a un niveau de radicalisation aussi, que j'en ai pas parlé, et on peut passer d'une simple croyance jusqu'à poser un geste, poser un acte.
Et un acte peut être violent, comme il peut être positif aussi, non violent. D'accord? Donc, dans ce niveau-là, je peux croire que c'est bon d'être vegan. C'est une croyance. Je peux aller encore plus loin. Je veux pratiquer le véganisme. C'est encore plus loin. Je suis dans une voie, dans un chemin vers une certaine, si on peut dire, radicalisation, si on peut dire, mais peut-être jusqu'à là, on n'est pas là-dedans, mais je m'en vais vers. Et là, je peux militer pour le véganisme. Oui. Et là, je peux militer pour les droits des animaux. Je peux militer, je peux aller plus loin. Et là, je peux m'attacher après un arbre, par exemple, pour dénoncer, et ainsi de suite. Il y a un niveau, c'est clair, il y a un niveau. Moi, je n'ai pas voulu aller dans le niveau irrespectueux ou le niveau violent, parce que ça existe, parce qu'il est présent, parce qu'il est là. Je voulais juste rester dans le niveau positif, juste pour, comme Rachel disait, je voulais casser le stéréotype comme quoi radical égale violent égale mauvais. Alors là, moi, je voulais amener vers radical, ça peut être positif aussi. Évidemment, le but aussi, on est dans une société. Dans une société, on voit de tout, il y a de tout, il y aura de tout pour toujours. Que ce soit le côté violent comme le côté non-violent et pacifique et constructif. Et on voit, et vous avez raison, dans la période actuelle, depuis quelques mois, c'est accentué aussi, ces manifestations aussi, ces manifestations violentes envers l'autre, envers le voisin, le proche, pour toutes sortes de raisons, parce qu'on est pandémie exige, on a moins de contacts, on a moins de possibilités d'exprimer nos idées d'une façon à influencer, à être influencé aussi. Alors on la sort, puis des fois elle sort de toutes sortes de façons là aussi. Ça peut être, et là c'est le respect, l'irrespect. Ça peut être le non-respect ou la violence et autres qui peut s'inscrire, qui peut entrer là-dedans. Mais ça a toujours existé. Qu'il y ait une pandémie ou non, ça a toujours existé, là, ce côté-là. Que des personnes qui veulent imposer leur idée à coup sûr et avec toutes sortes de moyens, ça a toujours existé. Ça a toujours, l'histoire le dit. On peut aller jusqu'à même, on a vu des groupes ou des personnes qui encourageaient la violence meurtrière là, jusqu'à là. Mais comment lutter contre ça? Heureusement, il y a des personnes qui ne sont pas tous, ça reste minoritaire, ça reste la grande majorité des humains ne vont pas jusque-là, ne veulent pas aller jusque-là, pour toutes sortes de raisons. Certains vont l'appeler la moralité, d'autres vont l'appeler les idéologies pacifiques, et l'amour, et ainsi de suite. Donc, il y a plein de phénomènes qui font en sorte que on est capable de s'autoréguler et d'arrêter ces manifestations-là extrêmes, de se manifester de cette façon-là. Mais on ne réussit pas toujours, ça c'est clair.